This computer? Yes. Voilà, on enregistre et c'est parti. All right. So, good evening, everyone. Oh, you froze. Sorry? I'll just take it for now. Let's just... Oh, you froze. You froze, Vladica. My internet connection is unstable. Okay, so good evening, everyone. Bonsoir à tout le monde. And welcome to this Zoominar. Welcome all beautiful people from all around the world. Et bienvenue à toutes ces belles personnes du monde entier pour ce Zoominar. You are welcome to ask questions that pops up for you. Vous pouvez bien entendu poser les questions qui remontent pour vous. Later on, please. First of all, I would like to introduce myself. Plus tard. Yes. Est-ce que Vladica va commencer par se présenter? Yes. So, I'm Vladica. I live in Sweden. I'm an Access Consciousness Facilitator and I'm a 3-day body class facilitator. Je m'appelle Vladica, j'habite en Suède. Je suis une facilitatrice Access Consciousness et une facilitatrice classe corps de 3 jours. So, thank you for joining me tonight and I'm really wondering what can we create and generate together in the world? Et je suis ravie de vous retrouver ce soir et je me demande vraiment ce qu'on va pouvoir créer et générer ensemble ce soir, pas ce soir, mais en général, dans le monde. And what invitation can we be with our beautiful body? Et quelle indication pouvons-nous être avec nos jolis corps? So, I don't know how many of you online are familiar with the work that we do. Je ne sais pas combien d'entre vous en ligne êtes familiarisés avec le travail que nous faisons. But Access body Access is about verbal processing and body processing and asking questions. Et Access, c'est des processus verbaux, des processus corporels et poser des questions. And Access body work has become a part and a way of life for me. Et pour moi, le travail corporel est devenu un style de vie, une façon de vivre. And what is so amazing about it is that we gain consciousness. Et ce qui est vraiment super avec ça, c'est qu'on devient de plus en plus conscient. And we include our body in this, and this is a wonderful approach. Et on inclut le corps avec tout ça, et c'est une approche merveilleuse. And Access is about following the energy. Et avec Access, on suit l'énergie. We get to be the detectives to learn how to follow the energy. On devient les détectives pour apprendre à suivre l'énergie. And also the procedures in life and following the energy is about asking questions. Et dans la vie aussi, et suivre l'énergie, c'est poser des questions. So that the universe has an avenue of responding to you. Pour que l'univers ait une avenue pour nous répondre. So everything that we do is to become more conscious and to bring our body along and include our body. Alors tout ce qu'on fait, c'est pour devenir plus conscient et emmener notre corps avec nous là-dedans. So whatever circumstances you have around you, your body can actually be the contribution for the change that you are asking for. Alors, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous soyez maintenant, votre corps peut être une contribution au changement que vous demandez. I don't know how many of you know energies or are working on someone, but if you have ever gifted a body session to someone, then you know what I'm talking about. Je ne sais pas où vous en êtes avec l'énergie et le travail corporel, mais si vous avez jamais donné, ne fût-ce qu'une fois, une séance de travail corporel, vous savez de quoi je parle. Because by gifting a session, the whole reality will change for you, and this is which is so powerful with the Access energies. Parce qu'en offrant ce travail, by gifting a session. Your reality will also shift, and what is so powerful with the Access energies? Parce qu'en offrant ces séances, votre réalité à vous va changer aussi. And your body becoming a source of creation. Et votre corps devient une source de création et de conscience.
So tonight I'm going also to use the clearing statement and I'm not going to explain it. Alors ce soir, je vais aussi utiliser la formule de déblayage et je ne vais pas l'expliquer. And you don't have to understand it because everything is on an energetic level and it will speak to you without your mind necessary have to understand it. Et ce n'est pas nécessaire de l'expliquer parce que ça fonctionne à un niveau énergétique et votre esprit n'a pas besoin de le comprendre. And you can find more information about it on access, I think it's clearingstatement.com. The Clearing Statement. Et vous pourrez trouver plus d'informations sur le site theclearingstatement.com et il y a un équivalent français aussi, il suffit de le taper. It's funny, we have registrations keep coming all the time. des inscriptions qui continuent à venir tout le temps. Humanoids! Yeah, what would it take for them to register for a class like this? qu'est-ce qu'il faudrait pour que les gens s'inscrivent à la classe à ce rythme-là aussi? Okay, so I have a lot of classes coming up. Alors, j'ai beaucoup de classes qui arrivent. I'm on my way to Tel Aviv on Sunday. Dimanche, je vais à Tel Aviv. Followed by Istanbul. Puis je vais à Istanbul. Hungary. Et puis en Hongrie. And then I'm coming to, I can't even pronounce it, Namur. Et puis je viens, je ne sais même pas le prononcer, Namur. And I'm so excited to come to Belgium because this is my first time facilitating a class in Belgium. Je suis vraiment excitée de venir en Belgique parce que c'est la première fois que je viendrai faciliter une classe en Belgique. And I have three amazing hosts that will answer all your questions after this seminar. Et j'ai trois super organisatrices qui répondront à toutes vos questions après ce Zoom. Feel the pressure, Yasu. Pas de pression, Yasu. Okay. Can I, the answer is like ask your body? Est-ce que la réponse n'est pas demande à ton corps? Always. Toujours. Always. Toujours. Okay, so in a body class, I just want to say a couple of things about this too. In a body class, we have more than 50 processes and all of them will allow your body to relax and receive. Donc, je voudrais juste mentionner quelques faits par rapport à ces classes. Donc, pendant les classes corps, il y a plus de 50 énergies qui vont aider ton corps à se détendre. Yes, détendre. And also... Se détendre. And also to let go of all the accumulation of stress that you have on your physical body and the subtle energies of bodies. À laisser partir aussi tous les signes de stress et toutes les énergies subtiles du stress. And what else? It can activate and give you access to the capacities for heal and change. Et qu'est-ce que ça peut encore activer par rapport aux capacités à se guérir et à guérir et à changer? So don't come to the body class with me because you will have too much ease in your life. Alors ne venez pas à une classe corps avec moi parce que vous aurez trop d'aisance dans la vie. And I guess that you know that the mantra of access is all of life comes to me with ease and joy and glory, right? Et je pense que vous connaissez tous le mantra d'access, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. And not only all of life, but what if your body can be with you with ease and joy and glory? Et pas que la vie, mais et si ton corps pouvait aussi être aisance, joie et gloire? What if your body actually didn't have to be the effect of aging, of sickness or degeneration? Et si ton corps ne devait plus être l'effet de la maladie, de l'âge, de la dégénérescence? And I would like to share with you something. I studied classical homeopathy many, many, many years ago, and they said that actually no one has ever seen a disease. Et j'ai commencé il y a longtemps, il y a des années, l'homéopathie classique, et on disait que personne n'a jamais vu une maladie, un malaise. So all the symptoms that you are calling a disease, they are actually just information for you.
Alors, tous les symptômes que vous appelez maladie sont simplement des informations que le corps te donne. So, the question here would be to start with, what capacities do you have with your body that you haven't noticed or even acknowledged? Et la question ici serait, pour commencer, quelle capacité avec ton corps est-ce que tu n'as pas remarqué ni reconnu? So, as I said, everything that we do is actually to, for you to access the energies, and everything is 100% dedicated to the body and the consciousness. Tout ce qu'on fait est destiné à accéder aux énergies et c'est 100% consacré à la conscience. So, have you ever noticed that, where are you? Are you, everything from your neck and here is actually you being in your head, and everything from the neck down is the body. Est-ce que vous avez remarqué que de la nuque en haut de la tête, c'est tout vous, et que de la nuque au bas du corps, c'est votre corps? So the question is, where do you live? Alors la question est, où est-ce que tu vis? In your head or in your body? Dans ta vie ou dans ta tête, pardon, et dans ton corps. So, before we even start to communicate with the body, we have to clear our head. Alors, avant même de commencer à communiquer avec notre corps, il faut vider la tête. Because the majority of us live our lives in our head. And I can tell you that I do that sometimes too. Parce que la majorité d'entre nous vivons dans la tête et je peux vous dire que je fais ça aussi de temps en temps. Yes, thank you. Sorry, when I start to talk, okay. I'm unstoppable. I know. So what is going on is that when we don't include the body into the computation, then we're having problems. Le problème, c'est que quand on n'inclut pas le corps dans le calcul, c'est là que les problèmes commencent. We judge the body for body being wrong, for the body doesn't look the way we want the body to look like, and so on. On juge le corps, on lui donne tort, il n'a pas l'apparence qu'on voudrait qu'il ait. So, let me start by clearing your head a little bit, and then we will move on. Alors, je vais vous vider un petit peu la tête et puis on continuera. So, everywhere you are judging the form of your body and everywhere your body is a burden to you, would you be willing to destroy and uncreate it all? Partout où vous jugez la forme de votre corps et que votre corps est un fardeau, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right or wrong, good and bad, pot and pock, all nice shorts, boys and girls. And what intelligence does your body have that if you access that intelligence, everything will totally change and you will have ease and joy with your body? Et quelle intelligence a ton corps que si tu y accédais, te donnerait l'aisance et la joie avec ton corps? Everything bad is times a gazillion, destroy and uncreate it all, right or wrong. So you don't have to say the clearing statement. Okay. No, you can just say the questions and I will say. Okay, fine. Yeah. So what we are changing actually is we are changing our lives through our bodies. Ce qu'on fait, c'est changer notre vie à travers notre corps. So everything that doesn't allow you to receive the communication from your body and the consciousness of embodiment, would you be willing to destroy and uncreate it all? Tout ce qui ne vous permet pas de recevoir, can you say it again, sorry? So what did I say? Everything that doesn't allow you to receive the communication of your body Et tout ce qui ne vous permet pas de recevoir la communication de votre corps et la joie de l'incorporation, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? And everything that doesn't allow you to be the companion with your body on the journey on planet Earth, would you be willing to destroy and create it all? Et tout ce qui ne permet pas à votre corps d'être votre compagnon de voyage sur cette planète Terre, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer?
Good. And everything that you have decided in any lifetime or in this lifetime that is wrong with your body and separates you from the body, would you be willing to destroy and uncreate all of that too, please? Et tout ce que tu as décidé dans d'autres vies qui était un tort avec ton corps et une oui, tu t'es séparé de ton corps, est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nice shorts, boys and beyonds. And now, all of you, wherever you are, it doesn't matter if you are walking or if you are sitting or if you are standing. Et vous tous maintenant, où vous êtes, peu importe que vous marchiez, que vous soyez assis, debout. Put your hand on your thymus. Placez votre main sur le thymus. And ask MTVSS and all the rest run. Et demandez MTVSS et tout le reste, active-toi. I know it doesn't make sense to you. Je sais que ça ne fait pas sens pour vous. But please repeat after me. Mais merci de répéter après moi. MTVSS and all the energies run. MTVSS et toutes les énergies, activez-vous. This means actually the molecular terminal balance slowing system. I never really recall that, nor in English, nor in French. Donc c'est le système de bascule des valences moléculaires. Je peux tricher, mais je n'ai pas le manuel en français sous les yeux. Yes, which is a huge contribution to your immune system. Il est une immense contribution à votre système immunitaire. And please run it, even if you don't understand it. Et activez-le, même si vous ne comprenez pas. And if you want to know more about it, you can go to with someone who is facilitating body processes or join me in the class. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez rejoindre une personne qui est facilitateur ou me rejoindre à une classe. And I'm just using that energy now tonight so that we can get the contribution from the energies and so the body can communicate something to us. Et j'utilise cette énergie maintenant pour qu'on puisse en profiter et qu'elle puisse nous dire quelque chose. Good. So, I said I would also inspire you and empower you to all the time ask questions to your body. Et je voudrais aussi vous inspirer et vous donner le pouvoir de poser des questions à votre corps tout le temps. Even if it doesn't make, if it sounds ridiculous to you. Même si ça vous paraît ridicule. But please ask. Mais demandez. Because after a while, your body will respond to you. Parce qu'après un temps, votre corps va vous répondre. And why do I empower you to do this? And why do I empower you to do it? Okay. Et comment est-ce que je vous permets de faire ça? Comment est-ce que je vous apprends à faire ça? Because you will become much more relaxed. Parce que vous serez beaucoup plus détendu. And you will become an invitation, the invitation with your body by your willingness to receive the information that your body is giving you. Et vous deviendrez une invitation avec votre corps par les par votre disponibilité à recevoir les informations de votre corps. By being willing to allow your body to gift you information and by being willing to allow your body to be admired and included, this will be an invitation. Donc en autorisant votre corps à vous transmettre des informations et en étant admiré pour ces informations que vous recevez. And I see that Yasu gets, yes, I love that! Oui, j'aime ça! So, what kind of questions am I asking my body? Alors, quel genre de questions est-ce que je pose à mon corps? So, whenever something is going on, like last night, for example, with this there was a bomb detonating in my city. Donc, quand il se passe quelque chose, par exemple, cette bombe qui a explosé dans ma ville hier soir. And I couldn't sleep. Et je ne pouvais pas dormir. And I could actually perceive the energies and what's going on for people.
Et je pouvais percevoir les énergies et ce qui se passait pour les gens. So I was asking, so body, what do you require from me to support you right now? Et j'ai demandé à mon corps, qu'est-ce que tu requiers de moi pour te soutenir maintenant? Body, what are you telling me? Mon corps, qu'est-ce que tu me dis? Is this mine? Est-ce que ça m'appartient? Is it somebody else's? Est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? And then what energy space and consciousness can we be to have ease with whatever is going on right now for us? Et quelle énergie, espace et conscience est-ce qu'on peut être pour ce qui se passe, quoi que ce soit, avec nous maintenant? And then poke and prod everything that doesn't allow you to have that awareness and to step into and receive that energy. Et puis, pod and poke, tout ce qui ne nous permet pas d'avoir cette conscience et d'avoir accès à cette énergie. Because everything that we learn from other people about how to be and not to be with our body is actually limiting the information that we can receive. Parce que tout ce qu'on apprend qu'on peut être ou ne pas être avec notre corps limite en fait ce qu'on peut recevoir. So everywhere you are buying what other people is telling you about the body, would you be willing to destroy and uncreate all of that too? Alors partout où vous gobez ce que l'on vous raconte sur le corps, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyonds. Because the more you become relaxed, the more you can achieve, and the less you will buy into the stress that everyone else is doing around you. Parce que plus vous vous détendez, plus vous vous détendez, moins vous allez prendre le stress et acheter le stress de ce qui autour de vous. I think I said that the more you become relaxed, the more. Yeah, got that. Yeah, and the more, the less you buy from other people. Yes. Yeah, said that. Yeah. Okay. Then you will not going to buy the stress around you. Alors vous n'allez pas acheter ce stress qu'il y a autour de vous. So. This is actually what is going on in a class if you attend a class with me. C'est en fait ce qui se passe quand tu suis une classe avec moi. I will talk. Je vais parler. And you will ask. Et toi, tu vas demander. So that we can actually go to the places where you have locked pain into your body when you contract your body or where your muscles are hurt or everything that is going on for you actually. Et on pourra aller dans les endroits où tu as verrouillé des douleurs ou des contractions dans ton corps. So the purpose with everything that I do here tonight and also in the class is a possibility to give you access so that you can be grateful, so that you can step into the ease and into the sexualness and kindness with your body. Et alors tout ce que je fais ce soir et que je fais en classe, c'est de vous donner des possibilités d'accéder à ce qui vous permettra d'être dans la gratitude, d'avoir l'aisance, la sexualness, et je ne sais pas lire ce que j'ai écrit. So, I mean, this has to start with you. This has to start when you wake up in the morning, when you get up from your bed. Et ça doit commencer quand tu te réveilles le matin et que tu sors de ton lit. That the first thing that you do in the morning, that you actually ask your body a question and make a conscious choice. La première chose à faire, c'est de poser une question à ton corps et de faire un choix conscient. Instead of judging your body in the morning, you can actually tell your body how grateful you are for it and ask your body, what are the possibilities for us today to have some fun? Au lieu de commencer la journée par juger ton corps, c'est de lui témoigner de ta gratitude et de lui demander qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et qui pourrait être fun. Because this is actually why are we here on planet Earth? Parce qu'en fait, il s'agit de qu'est-ce qu'on fait ici sur cette planète Terre.
What is the purpose of life if it isn't to enjoy your beautiful body? Quel est le but de la vie si ce n'est pas de prendre plaisir à ton beau corps? So, how much fun can you have with your body? Alors, combien de plaisir et d'amusement tu peux avoir avec ton corps? Ok, I think I would like to open up for some questions. Je pense que j'aimerais ouvrir le micro aux questions. Are you having fun tonight? Est-ce que vous vous amusez ce soir? Yes. So how much more fun can we have? Alors combien de fun encore est-ce qu'on peut avoir en plus? So why did you join me tonight, all of you? There is a question in the chat. Oh, okay. Question dans le chat. Where is yes. that? So it's from Anton about what you said about disease. Up till now, access has given me so much in those few months, but it's rather difficult to understand what my body tells me since a while. As if there is something locked, I do run MTVSS a lot and other processes too. I did a 3-day body class with Cass, Susan, Ivan and Katyusha in Paris. I was a bit surprised that most of the body processes are not explained. We just have to follow the energy which comes up. Have the idea that attending an other 3-day body class will give me more handles, feelings. But no. Maybe I want to go much too fast, much too quickly. Maybe I have yes. to ask more. Yes. Is there a repeat can price for 3-day? Yes. Oh, sorry. Oh, sorry. It's fine, I can read. It's okay. Thank you, Anton. It's fine. À propos de ce que tu as dit, à propos du malaise, de la maladie, jusqu'à présent, Access m'a donné énormément ces derniers mois, mais c'est assez difficile de comprendre, entre guillemets, ce que mon corps me dit depuis un certain temps, comme si quelque chose était verrouillé. Je fais tourner MTVSS beaucoup et d'autres processus aussi. Je viens de faire une belle classe de trois corps de 3 jours avec Cass, Susan, Ivan et Katyusha à Paris. Et j'étais un peu surpris que la plupart des processus ne sont pas expliqués. On doit juste suivre l'énergie et ce qui remonte. J'ai l'idée que participer à une autre classe corps de 3 jours va me donner plus de poignées. Sentiment, point d'interrogation. Mais peut-être que je veux aller trop vite, beaucoup trop vite, et peut-être que je dois demander plus. Voilà. Oh my God, your language is so woo! Okay, so the first question. Yes, you are correct. There are just a couple of processes that are not explained. Oui, tu as raison. Il y a juste quelques processus qui ne sont pas expliqués. And it is so that you can develop the communication and access the energies. C'est pour que tu puisses développer cette communication et accéder aux énergies. I don't agree about the feelings and handles. Je ne suis pas d'accord avec les sentiments et les poignets. What I would like to say about that is that our purpose is so that you can develop your sensations. Notre but est que tu puisses développer tes sensations. Not to feel, but to sense. Pas les sentiments, pas ce que tu sens, mais les sensations. Yeah. That is totally different because everything that we do in a body class is actually contributing to all the feelings to dissipate. Parce que tout ce qu'on fait dans les classes corps, c'est justement de dissiper tous les sentiments. So that you can have the ease and so that you can access the information much more easily. And yes, you have to ask more questions. Pour que tu aies plus d'aisance, et oui, tu dois poser beaucoup plus de questions. Enfin, plus. So when you have your hands on somebody's body, I suggest that you go out from your head. Alors quand tu as les mains posées sur un corps, je te suggère de sortir de ta tête. And just stay in the question. Et simplement rester dans la question. So you are asking, okay, what energy, space and consciousness can me and my body be to receive and gift with total ease?
Alors, tu peux simplement demander quelle énergie, espace et conscience est-ce que mon corps et moi pouvons être pour recevoir et offrir avec totale aisance. And as soon as you go into your head, you are going to ask to expand that. Et dès que tu vas dans la tête, demande à expanser ça. And then ask questions. So body, what are you telling me? Oui, pose des questions. Corps, qu'est-ce que tu me racontes? What question can I ask here? Quelle question est-ce que je peux te poser? If you don't know what to ask, ask what question can I ask here? Si tu ne sais pas quoi demander, demande quelle question est-ce que je peux te poser? And you will develop that. I know, but in the beginning it is a little bit difficult because we are not trained into this. Et tu vas y arriver. Je sais qu'au début c'est un peu difficile parce qu'on n'est pas formé à ça. But then it just becomes like everything else. Mais après, ça devient tout, comme tout le reste. So please ask questions. Alors, s'il te plaît, oui, pose des questions. And there is no repeat price for a body class. Et il n'y a pas de prix de répétition pour les classes corps. I'm sorry. Je suis désolée. And I can tell you that, I mean, every class will open up so much. And it is also, I mean, we are all different, all facilitators. So you have to follow the one that inspires you. Et chaque classe ouvre tellement, et chaque facilitateur est différent, et tu dois suivre celle qui t'inspire, toi. And each one of us have experiences and we ask questions different. So, yeah. Et on a tous des expériences et on pose des questions différentes ou différemment. So ask yourself, I mean, is this a contribution to my body? Will this expand my life? Alors demande, est-ce que ceci est une contribution à mon corps? Est-ce que ça va expanser ma vie? Will this class create more? Est-ce que cette classe va créer plus? And it's not only for you. Et ce n'est pas uniquement pour toi. It is for consciousness. C'est pour la conscience. It is for more that you can actually compute with your mind. C'est pour plus que ce que tu peux calculer avec ta tête. And after each class that you do, you will become more and more aware. Et après chaque classe que tu fais, tu deviendras de plus en plus conscient. And you will have more and more ease with your body. Et tu auras de plus en plus d'aisance avec ton corps. So what else is possible? Alors quoi d'autre est possible? Was that add something? Yes. Well, what I usually do. Thank you for your lovely energy. Thank you. Merci pour ta belle énergie. Thank you. Maybe it can like contribute also. I ask my body, where do you want to go? Yes. Certainly with body classes. Contribution aussi. Je demande à mon corps, où est-ce que tu veux aller? Surtout avec des classes corps. Yeah, you want to go? Oh, you want to go to that? Oh, okay. We just did a class, but you. Oh, tu veux aller là? On vient de faire une classe, mais bon, okay. Yes. And may I also add something? Yes. Moi aussi, j'aimerais bien poser une question. Merci, yes. A testimony that I've done two, three-day body classes in a month. Moi, j'ai fait deux classes de trois jours dans un mois. And it really is amazing what it does to your body and to your life and to the space you have. Et c'est vraiment incroyable ce que ça crée pour le corps, pour l'espace que tu as. And I really encourage if it appeals to you, do as many body classes as you can. Oui, donc je veux vraiment vous encourager. Si ça vous parle, faites le plus de classes corps possible. Yeah. So. To add on that, I mean, I just talked in the beginning that everything we do is for us to gain awareness, right? Et oui, je voudrais ajouter à ça, tout ce qu'on fait, c'est pour avoir plus de conscience, d'accord? So awareness is a process.
La conscience est un processus. But it can also be instantaneous. Mais ça peut aussi être instantané. And everything that we do is to get you out of your points of views. So the fewer points of views that you have in the way, the more awareness you can gain. Et tout ce qu'on fait, c'est pour te sortir des points de vue. Et moins tu as de points de vue, plus tu peux avoir de conscience. So everything that doesn't allow you right now to get rid of your point of views, that is stopping you from creating your life, would you be willing to destroy and uncreate it all? Alors tout ce qui vous empêche, vous tous là maintenant, de vous débarrasser des points de vue qui vous empêchent de créer votre vie, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, but pop, and shorts, boys, and beyond. And everywhere you just want to stay in this reality so that you can keep struggling, would you be willing to destroy and uncreate all of that too? Et partout où vous voulez rester accroché dans cette réalité pour pouvoir continuer à lutter, est-ce que vous voulez bien détruire les clés? So that you can keep struggling and control your body. Pour pouvoir continuer à lutter et à contrôler ton corps et pod and pop tout ça. And everywhere you're refusing your magical capacities, would you be willing to destroy and uncreate it all? Et partout tu refuses tes capacités magiques, est-ce que tu veux bien détruire et les créer? So that you can feel instead of sense. Pour que tu puisses ressentir au lieu de sentir. Right and wrong, good and bad, pop, pop, all night, shorts, boys and beyonds. Is that lighter? Est-ce que c'est plus léger? Yes. Cool. How does it get any better than that? Okay, we have from Kitty, in your experience, is there a specific body process that helps with the walking problem? Use MTVS, BMM, restoration of communion with earth, whatever comes up. It's a little better, but I really would like to change faster. Dans ton expérience, est-ce qu'il y a un processus corporel spécifique qui aide avec un problème de marche? J'utilise MTVSS, BMM, la restauration de la communion avec la terre et tout ce qui monte. C'est un petit peu mieux, mais j'aimerais bien changer plus vite. Merci. Yes. My question is to you. Ma question pour toi est: do you know your direction? Est-ce que tu connais ta direction? Where would you like to go? Où voudrais-tu aller? What would you like to create? Qu'aimerais-tu créer? When did you stop your steps forward? Où as-tu arrêté tes pas vers l'avant? Everything that is, times a gazillion, would you be willing to destroy and uncreate it all? Right. Tout ça, est-ce que tu peux bien détruire? I would ask questions. Je poserai des questions. Walking problems means that you have problems with your legs, right? Des problèmes de marche signifie que tu as des problèmes avec tes jambes, n'est-ce pas? So what does your legs mean to you? Alors qu'est-ce que tes jambes signifient pour toi? What judgments do you have about your legs? Quel jugement as-tu sur tes jambes? Everything that is, times a gazillion, would you be willing to destroy and uncreate it all? Right and wrong, good and bad, pot, pock, all night, shorts, boys and beyonds. I suggest that when you run the MTVSS and all the processes that you told me. Je suggère que quand tu fais tourner MTVSS et tous les processus dont tu m'as parlé. That you touch your legs. Que tu touches tes jambes. And that you start talking to your legs. Et que tu commences à leur parler. And that you really, 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 and she said nervous system, not the legs. Et que, sorry, ah ok, elle dit le système nerveux, pas les jambes. Yes, actually there is. But I can't remember. Apparemment, il y a quelque chose, mais elle ne s'en souvient pas. Donc, le fait que ça soit coupé n'est pas grave. I have to check the manual, Kitty, and I can send it to you. Because even if I give the process, I actually don't like to give a process here. I don't think that everyone has done a 3-day body class. Je vais retourner dans le manuel et je te le dirai, mais je ne veux pas le dire ici parce que je ne pense pas que tout le monde ait fait une classe corps de 3 jours. But you did a body class with me, so I will send you the process.
Mais tu as fait une classe corps avec moi, donc je vais t'envoyer le processus. Okay. All right. So, how are we doing tonight? Alors, comment allons-nous ce soir? Are you all coming to Namur? Est-ce que vous venez tous à Namur? Do you want all of, are you all asking to become magical? Est-ce que vous voulez que toutes vos demandes deviennent magiques? Okay, so let's run some more processes. So what points of views do you have about... what awareness are you refusing with the communication to avoid the communication that your body is gifting you that you are choosing? Alors, quelle conscience refuses-tu, non, évites-tu? Ok, quelle conscience est-ce que tu refuses pour éviter la communication que ton corps t'offre? Everything that is, times a gazillion, is torn and created all. Right, wrong, good, bad, part, buckle, and shorts, voice, and beyond. A question that I many times use for myself is, what is it that I love about this energy, this illness, this limitation? Alors, une question que je me pose souvent, c'est qu'est-ce que j'aime à propos de cette énergie, de cette maladie, de cette limitation? And then I run it not once, but I run it like maybe 30 or 40 or a week. Et je ne le fais pas une fois, mais 30 fois, 40 fois, toute une semaine. Because the purpose of a question and the clearing is so that you can gain that awareness. Parce que le but des déblayages et des questions, c'est que tu puisses accéder à cette conscience. Every physical problem that you are having is a creation and an invitation so that you can limit yourself to live the reality that you have decided is true for you. Oh my God, in consecutive. Okay. I'm sorry. I know the feeling. Alors, tout problème physique est une création et une limitation à vivre. C'est un grand, grand résumé, mais en consécutif, c'est pas évident pour moi. Okay. Yes. Vous l'avez reçu en anglais, de toute façon. Tu veux que je t'aide un peu? Je te dis aussi un peu. C'est plus l'invitation à rester, vivre ta vie à la grandeur que tu la vis maintenant. Donc, tout petit, limité. Oui, oui, voilà, j'ai zappé. Oui, okay. Oui, c'était ça. Yes, it was that. We're good. Que tu as décidé qu'il était tout petit, voilà. Yeah. We're good. En fait, que tu crées ces mots physiques pour te limiter, en fait, pour rester petit. Okay. So, please listen to this and please poke and pod everything that is limiting you on your way to consciousness. S'il vous plaît, écoutez ceci et pod and poke tout ce qui limite votre voie vers la conscience. The more you are allowing yourself to gain awareness, the more ease you will have in your life. Plus vous vous autorisez à avoir de la conscience, plus vous aurez d'aisance dans votre vie. I recently facilitated a body class in Switzerland and a lady sent me a text message. She was so grateful. She could dance. She could enjoy the weight of her body. Before that, she was just judging the body. J'ai récemment facilité une classe en Suisse et après la classe, une dame m'a envoyé un message en disant qu'elle était tellement reconnaissante parce qu'elle pouvait danser avec son corps et qu'elle avait et vivre avec son poids alors qu'avant elle jugeait son corps. So everywhere in your life that you are being so frustrated and annoyed with yourself, would you be willing to destroy and uncreate it all?
Et partout où tu es frustrée et agacée par toi-même, est-ce que tu veux bien détruire et décréer? And everything that doesn't allow you to have the fun of life and the fun of being, would you be willing to disrupt and create it all? Et tout ce qui ne te permet pas d'avoir le fun de la vie, est-ce que tu veux bien détruire et décréer? I mean, I know, I don't say that this will change like this. Je ne dis pas que ça va changer comme ça. But the more your willingness to change and your willingness to play with the tools will be that change that you are asking for. Mais ta volonté de changer, ta volonté de jouer avec ces outils, c'est ça qui va te donner le changement que tu demandes. So please don't give up on yourself. Alors ne te laisse pas tomber. Just continue. Yes. We have a question in the chat also. Okay. Okay, on a une question. En français, je pense. Kat? Ah, okay. Où ça? Sev, about Alex. Une de mes connaissances. Ah oui. Ah, toi tu veux... Ah oui. Vas-y. Oh oui. Toi tu traduis. Une de mes connaissances, à chaque fois qu'elle vient me voir, commence à avoir très mal dans son corps et a du mal à se déplacer pour venir me rendre visite. Et après m'avoir vue, elle commence à penser que c'est à cause de moi. Aha. So this person I know, every time she comes to see me, she starts to have pain in her body and it's difficult for her to move about, to come and visit me. And after she saw me. And she's starting to think it's because of me. Haha. Oh, that's very interesting. C'est très intéressant. I wonder if her body is asking for more body processes and bars, despite she's wondering the opposite. Laugh out loud. Okay. So you have to poke and prod the relationship that you have with each other. Tu dois pas poquer la relation que vous avez l'une avec l'autre. First of all. Pour commencer. I will tell you a funny story about my life. Whenever I went to visit my daughter in US, je vais te raconter une histoire rigolote de ma vie. Chaque fois que je vais rendre visite à ma fille aux États-Unis, the first 2 days she was sick. Les deux premiers jours, elle était malade. Every time. Chaque fois. And I was giving her body processes. I was kissing her. I was taking care. Je lui faisais des processus corporels, je lui faisais des bisous, je la chouchoutais. And then one day she said, "Mom, do you know what I become aware of?" Et un jour elle m'a dit, "Maman, tu sais de quoi j'ai pris conscience?" But I love so much you touching me and spoiling me, so I make myself sick every time you come. Que j'adore tellement quand tu me chouchoutes et que tu prends soin de moi, que je me rends malade chaque fois que tu viens. Great awareness, huh? super prise de conscience, n'est-ce pas? So what I suggest in your case is really to look at the relationship that you two have together. Et ce que je te suggère, c'est de regarder à quelle relation vous avez ensemble. And poke and pod all the vows, fealty, swearings, commitments that you have to take care of each other. Et tous les vœux, serments, allégeances et promesses et serments de sang que vous avez à prendre soin l'une de l'autre. And everything that doesn't allow that, destroy and uncreate it all. Right et tout ce qui ne permet pas ça, voilà. Yes. Yes, she's writing. Yes, absolutely. Absolument. Et il y a, there is another reaction to this from Cindy. Yes. Isn't it possible that the body struggles against the awareness? Yes. Est-ce que c'est possible que le corps lutte contre la prise de conscience? But you have to ask the question. Mais tu dois poser la question. You have to ask the question to your body. Pose la question à ton corps. And also ask the body what else is possible here that we haven't considered. And hey, je demande aussi qu'est-ce qui est encore possible ici, corps, qu'on n'a pas encore considéré. Hey. Many times we think that when we go to a class, the change has to be a struggle. Et on pense que parce qu'on va en classe, le changement doit être une lutte. It doesn't. C'est pas le cas.
If you ask your body for help, and if you ask your body to play with you, and if you ask for ease, I promise that the change can be easy. Si tu demandes à ton corps de l'aisance et si tu lui demandes de t'aider, je te promets que le changement sera facile. A great question is, what energy, space and consciousness can me and my body be to dissipate whatever is going on for me right now with total ease? Une super question à poser, c'est quelle énergie, espace et conscience est-ce que je peux être qui pourrait dissiper tout ce qui se passe maintenant avec totale aisance? And poke and pod everything that doesn't allow that. Et pod and poke tout ce qui ne permet pas ça. Another amazing tool for you is to put your feet on the ground. Un super outil aussi pour ça, c'est pose tes pieds au sol. To connect with the earth. Pour te connecter à la terre. And start to pull energy. Et commence à tirer l'énergie. Connect with the universe. Connecte-toi à l'univers. And pull energy through your hands, into your shoulders, into your chest. Et tire l'énergie à travers tes mains, tes épaules, dans ta poitrine. And then ask that energy to move through your body, into your belly, into your legs, and out through your feet. Et puis demande à l'énergie de passer dans ton ventre, dans tes jambes, et puis de ressortir par les pieds. Great. And then connect with the earth. Et puis connecte-toi à la terre. And go to the place in your body where the problem is. Et va à l'endroit dans ton corps où il y a un problème. And then collect all that energy in front of you. Et puis rassemble toute cette énergie devant toi. And then on three, give it to the earth. One. Et à trois, donne-le à la terre. One, two, three. 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 What? 10 times. One, two, three. 10 fois. One, two, three. One, two, three. And one, two, three. One, two, three, four. And then. Et puis 1, 2, 3, 4, et puis be present, être présent, aware, conscient, and ask, et demande. Okay, body, what else? Okay, corps, quoi d'autre? Show me. Montre-moi. Go to the place again. Is it heavy? Is it light? Is it still there? Is it changing? Something is changing. No. Ok. Va à cet endroit. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? And then you work it off. And then you do it again. Light and heavy. After light and heavy, what did you say? Because you cut off. I'm sorry, I forgot. Elle a oublié. Well, I speak so fast. I know the feeling. Oh, I'm sorry. On dit quelque chose et puis on oublie ce qu'on a dit aussi vite fait qu'on l'a dit. Ok. There's one more question. Yes. Maybe okay, we can take a last question. Yes, ça pourrait être la dernière question. Yeah, cool. So let's see, it's from Catalina. There was sometimes I get stuck with my body, getting better out of chronic illness, but I just keep using the tools and then after a period of stagnation, things start moving again. Oh, there is no really question. It was no, more like it's again, just, very fast. Yes. C'était un témoignage plutôt. Do I translate it? Cool. Ok, parfois je suis coincée avec mon corps, je vais mieux d'une maladie chronique, mais je continue à utiliser les outils et après une période de stagnation, les choses commencent à bouger à nouveau très rapidement. By the way, you are awesome. Et à propos, vous êtes magnifique. Yes, magnifique. Your translation is magnifique. Oh, mais la traduction est magnifique, paraît-il. OK. Thank you so much. Alors, merci beaucoup. What are the prerequisites for a body class, Vladika? It's bars foundation. OK, c'est so bars foundation. Donc, une journée bar et la classe fondation. And it doesn't matter when you did the foundation class. Et peu importe où tu as fait ta fondation. Even so you're coming. Yeah. So you're coming 1, 2, 3 December to the south of Belgium? Yes! Donc tu viens les 1, 2, 3 décembre dans le sud de la Belgique. And
I will say, I've been to the location. It's wonderful. It's like in the forest all around. It's like a beautiful city with a lot of water. Alors, je suis allée voir, je suis allée sur les lieux et c'est vraiment très beau. C'est dans, parmi les arbres et c'est une très belle ville avec beaucoup d'eau. Yeah, so... yes, it's such a Annick's place. Et j'habite Annick là, et Annick aussi. Annick was, by the way, saying in the chat that she's a doctor, an emergency doctor. She's actually in emergency right now, waiting for new clients. Annick disait d'ailleurs tout à l'heure dans le chat qu'elle est médecin, elle est en salle d'urgence et elle est là maintenant en salle d'urgence en attendant des clients. So, but she uses this body processes on or in the emergency room or in the middle of accidents. Oui, elle, mais elle utilise les processus corporels d'accès dans, en salle d'urgence. That's dans les accidents. Amazing. C'est incroyable, oui. So don't come, don't. Don't. Ne fais pas. It's gonna be too much fun. Enjoy the embodiment. On va s'amuser. Il y aura trop la joie de l'incorporation. Quel mot horrible en français, en parenthèse. Yes, bon. Please come. Please come. To, please come. Please don't. Please come. Come. Venez, ne venez pas. Venez, ne venez pas. Venez. Please come to raise your vibration. Venez monter votre taux vibratoire. And to expand your life. Et expanser votre vie. Yes. Oui. So excited! Me too. Me too. And Annick too, but she can't probably make any sounds. Annick aussi, mais elle peut probablement pas faire trop de bruit. Un petit peu. Ah, she's here, Dr. Annick. Dr. Annick, that's so sexy. Oui, ne venez pas. That's awesome. Awesome. Voilà, c'est super. So, okay then. Thank you again. Thank you so much. Merci encore. I really hope that you are inspired by J'espère que ceci vous a inspiré. By us. Par nous. And really, what else is possible in when we meet in real life? Et vraiment, quoi d'autre est possible quand on se rencontrera en chair et en os? J'espère. Yes. You know that the energy that is created in a class, it is the energy that we create, all of us together. L'énergie d'une classe, c'est l'énergie qu'on crée tous ensemble. And what I am being there for you is the capacity and the gift so that you can change what you are asking to change or gain the awareness of the question. Être là pour toi, c'est avoir la capacité et le cadeau à changer ce que tu demandes à changer. And I have been doing Access for 7 years. Et moi, je pratique Access depuis 7 ans. And before that, many, many, many other techniques. Et avant ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques différentes. But Access is fun. Mais avec Access, on s'amuse. And it's quick. C'est rapide. All of you that want a quick fix, welcome. Alors, tous ceux qui veulent aller vite, bienvenue. It's really, it works fast. And vraiment, ça fonctionne rapidement et c'est fun. Thank you, Isabelle. Big kiss to you. Thank you. Merci, Isabelle. Gros bisous à toi. Okay, I know that you don't want to go home and leave a Zoom in aller à la maison, même après un Zoom. But I'm sorry, the hour is over. Mais je suis désolée, l'heure est terminée. I will send it to you. Je vous l'enverrai. Bye. Thank you so much, Vladika, for your energy and for your clearness. Thank you. Bye. Bye, everybody. Bye. Bye.